soyez les bienvenus ici dans cette salle qui a été magnifiquement décorée aux couleurs d'un breuvage qui nous réunit tous. Et ce sera également l'occasion pour nous de célébrer ceux qui sont venus se joindre à nous ici afin justement de porter au sommet cette soirée dénommée Oktoberfest. Justement, de quoi s'agit-il, Patty, exactement? Eh bien, pour la petite histoire, Oktoberfest est une soirée au cours de laquelle nous célébrons la bière. C'est une réjouissance autour de la bière. C'est une occasion pour nous de redécouvrir la bière sous ses différents aspects. Ceux qui aiment la Doppel, ceux qui aiment la Skol, ceux qui aiment la Tembo, ceux qui aiment la Beaufort. En fait, toutes ces différentes bières, aujourd'hui, nous pourrons les boire à volonté. Mais quand je dis à volonté, Christelle, ça veut dire à volonté. Alors Christelle, parmi nous, nous avons quelqu'un qui se tiendra debout devant nous tous ici pour la première fois. Ce sera la première fois pour la plupart d'entre nous de le rencontrer. C'est une occasion pour nous. Nous invitons M. Cyril Soubon, le DG de la Bracongo. Nous avons étudié avec les étudiants et cette année nous avons l'honneur d'être avec M. Cyril Soubon. Je vous remercie pour cette considération de Bracongo. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour les Orkina Kinshasa et la bienvenue à tout le monde ici dans cette belle salle. Aujourd'hui, pour Oktoberfest, nous ne servons pas que la bière et le fabuleux produit. Nous mettons à l'honneur nos partenaires, nos héros, car vous êtes l'existence de Bracongo. C'est vous tous, c'est grâce à vous tous, grâce au travail, à la production, à la sueur, aux héros, que nous sommes là. Donc merci beaucoup encore une fois. D'ailleurs, vous pouvez tous vous applaudir quand même, avant de m'applaudir. Nous souhaitons rester le leader, et nous avons besoin de vous pour ça. Vous savez, c'est plus difficile d'être leader que d'être second. Ce n'est jamais facile d'innover dans un domaine qui est le nôtre et de conforter cette première place. Donc, n'oubliez pas que tout travail mérite sa bière, non, c'est la règle, non, c'est pas ça. Pourquoi sur les bouteilles des boissons, il y a toujours les photos des animaux? Alors que c'est nous qui buvons. Bon, non, c'est vraiment par jalousie que je le dis. Parce que je me dis, est-ce que si eux, les animaux, un jour, ils réussissent à faire leur boisson à eux, vous pensez qu'ils vont nous mettre nos photos à nous? Et les mauvaises réponses. Il était 20h, je voyais qu'il faisait noir et que nous, on n'avait pas de phare. J'ai demandé au chauffeur, « Chauffeur, comment tu fais pour éviter les autres? On n'a pas de phare. » Il m'a regardé, il m'a dit, « Hein, les autres, ils ont des phares, ils vont nous éviter. » Vous savez, quand vous êtes opéré de l'appendicite, avant de manger, vous devez faire ce que moi et vous connaissons, donc on ne peut pas dire ici. Quand j'ai fait 2 semaines sans lâcher, c'était pour la première fois de voir mon père venir vers moi et me dire, fiston, bête. Un tout ce que tu as, même un fou donne.